Attends, un, deux, déjà attitude. Et en bas, voilà. Voilà, tu vois, on connaît cette ligne-là, de dos en diagonale. Non, il n'est pas intéressant. Oui, il fait boum. Ouais, comme une flèche. Patrick, il a beaucoup de possibilités, de styles très différents. Et moi, je dirais qu'il y a une veine de grande générosité. Générosité physique et morale. Vous voyez, et quand il est sur scène, il se donne totalement. Les premières années à l'école de danse, si t'es pas le meilleur, t'es moins bon. Si t'es pas meilleur que le moins bon, t'es mauvais. Si t'es mauvais, t'es viré. Et c'est complètement inhumain. J'étais rentré à l'opéra avec une seule idée en tête, c'était être étoile. Le reste m'apportait pas. Donc développer les qualités statiques de l'axe vertébral. C'est-à-dire... Je vais absolument voir Vincent ici. Piquer Arabesque ici. À chaque fois, tu me fais piquer de ce profil. C'est dans la douleur. C'est pas possible. Les poings serrés, les genoux tendus, Patrick. Et pas les hanches de travers. En un, deux par deux, et on enchaîne. Un, deux, et... À cette époque-là, j'étais danseuse étoile. Et Patrick Dupont est arrivé dans ma loge, il devait avoir 9-10 ans. Et il s'est inscrit à l'opéra, il est rentré et je l'ai vu arriver avec son petit camarade Jean-Marie. Et ils sont venus me demander d'être leur petite mère. Donc j'ai accepté d'être leur petite mère. Et une petite mère, bon, ça veut dire qu'on s'occupe des élèves quand il y a des problèmes avec le professeur, quand il faut leur faire travailler une variation, quand on surveille un petit peu leurs études et comment ça se passe. Je veux dire, puis bon, on est là pour cajoler, pour sortir, pour les emmener, peut-être voir au spectacle. Ils viennent nous voir dans la loge pendant le spectacle. Bon, c'est un contact avec une étoile. Ça les fait rêver. Il était complètement... Pétaradant, il voulait toujours être le premier, enfin c'était genre prime tout le temps, que ce soit en classe ou pendant les cours de danse. Alors effectivement, on reste un petit peu en retrait, quoi, parce qu'on est complètement l'opposé au niveau caractère. Alors lui, il fallait toujours qu'il se montre, dès qu'il y avait quelqu'un, le professeur d'invité ou je sais pas qui venait voir une classe, moi j'avais tendance à me renfermer, Patrick était en première ligne. Tu vois, tu mets encore tes bras comme ça, et surtout, tu
voudras pas, tu... Et ces deux garçons m'ont causé beaucoup de problèmes, je dois dire, parce que c'était deux schnappants, et c'était deux gamins qui racontaient des histoires à peu près à tout le monde, continuellement. Je veux dire que s'il y avait 10 minutes de retard, c'était parce que sa mère était morte, s'il arrivait, il voulait pas manger quelque chose, parce qu'il avait pas mangé depuis 8 jours. Enfin, je veux dire qu'il racontait, il montait des coups terribles, mais avec un œil tellement innocent, vraiment, chaque fois on était pris, en tout cas la directrice de l'époque, Geneviève Guillot, à chaque fois croyait tout ce que Patrick lui racontait, jusqu'au jour où elle s'est aperçue que c'était un tissu de mensonge total. Et alors là, il a été convoqué, failli être envoyé, donc il est venu me trouver en larmes, et je suis allée voir la directrice, et j'ai expliqué, le petit, le pauvre, il fallait comprendre, enfin, j'ai fait ce que j'entends aujourd'hui, ce que viennent me dire bien souvent des danseuses étoiles pour leurs petits-enfants, donc j'ai pris, mais seulement ça s'est pas produit une fois. Ça s'est produit beaucoup de fois. Mais c'est ce qui faisait aussi que Patrick était un enfant intéressant avec beaucoup de personnalité. Et que c'est vrai qu'il était tellement vivant, il avait tellement envie de bouger, qu'il était toujours prêt à faire une sottise, quoi, c'est normal. Quand tu faisais des conneries, c'était toujours à cause de moi. Donc le reportage auprès de Maître Bozzoni ou Maman Dupont... C'était toujours moi le fautif ou l'entraîneur. Il regardait les danseurs comme si c'était vraiment des étoiles qu'il avait sous les yeux, qu'il pouvait approcher, qu'il pouvait toucher. Et c'était passionnant parce que dans ses yeux, il y avait une telle admiration et un tel amour que vraiment on était contaminés par cette passion qui reflétait dans son visage, dans son expression. Un jour, il y a un danseur qui était dans sa classe, il y avait l'examen. Et ce garçon, qu'il a toujours, me dit, Monsieur Bozzoni, faites qu'il monte tout de suite danseur étoile, il nous embête, il est le premier automatiquement avant d'avoir commencé, nous on préfère qu'il monte tout de suite étoile, parce qu'il nous embête dans les concours. Dans ce métier, quand on a du succès, on n'a pas de copains. Et moi, j'ai la chance de l'avoir, lui. Oh,